Si c'est un sauvetage, on peut dire que tu prends ton... Ah, enfin. Tu peux m'aider? Après tout c'est ce temps... C'est toi, Radel? C'est Marad qui m'envoie. Je cherche Uride. Il est monté. Des étincelles ont provoqué un éboulement. Marad qui m'envoie un Karja de l'ombre. Bon. Qu'est-ce que t'attends pour m'enlever ce truc? Voilà. T'as réussi. Je suis libre. Réussi. Tu es le frère d'Uride. Rias. Ouais. Où est Uride? Il est monté au sommet de l'Astrolance. Mais on ne pourra pas le suivre tant que l'ascenseur ne sera pas réparé. Et je suis sûrement la seule à pouvoir te dire comment faire. Donc, tu ne grimperas pas plus loin, tant que tu ne m'auras pas fait descendre. Tu veux que je te porte? Allez, on y va. Le chemin a été détruit par des étincelles, l'ascenseur est cassé, et hors de question de s'en remettre à un Karja de l'ombre. On va devoir attendre qu'Uride revienne avec des nouvelles du gueule d'orage. Arrête! C'est bon! Quoi? Quelle gueule d'orage? Pendant que nous attendons Uride, tu es coincé ici, et ce village se trouve à la merci des machines. C'est malheureux, mais nous ne pouvons plus attendre. Possible s'il y a un gueule d'orage. Uride pensait que ce gueule d'orage nous aiderait à comprendre tout cela. Comment? Il n'a pas fait qu'attaquer le village. Il l'a traversé en direction des montagnes, à l'instar des autres machines qui l'ont suivi. Elle cherche quelque chose, apparemment. On peut se cacher ici, en attendant. Et si cela se reproduisait? Si les machines attaquaient une ville? Méridian? Non. Suis l'ombre et tu trouveras la flamme. Nous devons savoir ce qui les a attirés ici. Le seul moyen d'atteindre le sommet est de réparer l'ascenseur. Et pour ça, il faut un train d'engrenage de charognarde. Aloy a signalé une charognarde sur les hauteurs de Vivaube. Pour aller de l'avant, nous devons retourner en arrière. Ce que ça veut dire, c'est que je fonce dans la gueule d'une charognarde. Ton frère n'aurait pas hésité un instant. Ça doit être pour ça que mon frère n'est pas revenu. Nous ne le saurons pas avant d'avoir gravi cette montagne. Radel te donnera tout ce qu'il te faut pour retourner à Vivaube, et Ami t'expliquera tout. Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut des pioches pour grimper Vivaube. Bon, il faut que j'aille fabriquer des piolets à l'établi. Il devrait y avoir des pièces que je pourrais utiliser. Je dois te dire quelque chose, au sujet de mon frère. J'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit. S'il avait su que t'étais piégé, blessé... Il continue quand même. Il t'aurait abandonné s'il avait jugé sa mission plus importante. Sacrifier des gens à une cause, ça c'est typique d'un Karja de l'ombre, pas vrai? Je comprends bien que mon passé de Karja de l'ombre te met mal à l'aise. Tellement compréhensif. Mais si tu peux travailler avec les Karja, avec Uride, tu peux travailler avec moi. Hé, hey, je t'ai fait descendre de la montagne. Félicitations, tu as sauvé une Océram, bravo. Mais il te reste bien des montagnes à gravir. À quoi servent les pièces que je cherche? L'andouille qui a construit la poulie de l'ascenseur s'est servie de pièces de charognarde. Difficile de faire plus stupide. Mais on n'a pas le temps d'en construire une autre. Il faut que tu trouves ces pièces. Tu sais où se rendait Uride? Il est parti vers l'Astrolance pour prendre ce gueule d'orage de vitesse. Après ça, tout dépend du gueule d'orage.
Je trouverai Urid. C'est ça. File chercher ta grâce. Bon, je ferais bien de fabriquer un piolet. Et voilà. Bon. Je vais enrouler ça. Ça suffit pas. Presque fini. Bon, ça en fait au moins. Voilà. Maintenant, je peux escalader la montagne et récupérer un engrenage de charognard pour réparer l'ascenseur, avant d'aller chercher Urid. Je pourrais aussi parler aux autres, voir s'ils savent quelque chose. Je dois réparer cet ascenseur et aller chercher Urid. Mais avant, il me faut un engrenage de charognarde. Aloy a dit qu'elle en avait vu un près de Vivaube. Je devrais y aller. Quelqu'un a traversé l'hélium tout entier pour laisser ça sur l'Astrolance. Tout ça dans le vain espoir d'obtenir des réponses à ces questions. Une foreuse d'étincelles. Ça détruit aussi bien les machines que les soldats.
Tu penses qu'Uride est encore en vie? S'il l'est, nous devons savoir ce qu'il a appris. Dans le cas contraire, il connaissait les risques. Si on lui demandait, Uride sauterait dans un repère de Brise-Roc. Je ne lui ai pas ordonné de gravir cette montagne. Il a pris la décision seul. Si tu veux des réponses sur sa conduite, tu n'as qu'à le trouver. S'il ne devait pas escalader l'Astre-Lance, quelle était sa mission? Venir ici et attendre. Mais Uride est parti en quête de réponse et a disparu. Qu'est-ce qui te fait dire que je ferai mieux? Tu as beau juger ta valeur à celle de ton frère, Rias, sache que les autres te jugeront sur tes propres actes. Tu auras moins de mal à escalader cette montagne sans porter ta famille sur tes épaules. La chasseuse Nora, à l'œil. Elle est partie? Nous avons eu de la chance qu'elle passe par chez nous. Aloy a fait beaucoup pour aider les Karja. Mais sa route l'amène vers l'ouest pour un devoir de la première importance pour le destin de l'Hélium. Et le nôtre. Il faut résoudre cette énigme des sommets sans son aide. Et si je refuse de grimper? Tu me renfermeras à Héliolite? Chacun choisit la prison qui est la sienne. Ah, ce sont plutôt les gardes armés qui ont choisi la mienne. La confiance n'est qu'un accord, Rias. Tu sais ce qu'on te propose et ce que tu dois faire pour l'obtenir. Je trouverai tes réponses. Que le soleil éclaire tes pas, Rias. Hey! Tu comptes me parler un jour, ou tu préfères utiliser tes poings? T'as été soldat, non? T'aurais fait quoi d'un prisonnier qui s'évade? J'aurais dû y aller plus fort. Je m'attendais pas à ce que tu reviennes. Encore moins à ce que t'ailles chasser des charognardes. Je suis imprévisible. Essaie d'éviter. La fiabilité, ça se fait rare. Je suis désolé pour ton ami sur le bateau. Il s'appelait Kavad. Il pensait que t'escorter en valait le risque. Fais un beau geste, donne-lui raison. Qu'est-ce que tu sais sur la légende? Quelle ombre d'Itamen? Un bon soldat, qui faisait son devoir. Du moins jusqu'à ce que son père le persuade de rejoindre les Karja de l'ombre. Je n'ai rejoint personne. Je suis resté dans mon unité. En enlevant un enfant? Sauver un prince. Oui, c'est normal de mettre des personnes en prison quand elles sauvent un prince. Tu crois que c'était si simple? Soit j'enlève un enfant, soit je n'enlève pas un enfant. Je trouve pas ça compliqué comme choix. Les machines attaquent encore le village? On a mis tout le monde à l'abri le temps que les machines passent. Ça a réduit le nombre d'attaques. Pour la suite, c'est une question de chance. Pourquoi est-ce que les machines attaquent? Je me bats là où on m'envoie. C'est à Marad d'expliquer pourquoi. Je dois y aller. J'ignore pourquoi tu fais ça, et ça m'est égal. Fiche pas tout en l'air. D'accord. Ne fais pas de folie pendant mon absence. Je m'en souviendrai. J'utiliserai plus que l'acier.
Des marques de chasseurs. Il y a une zone d'entraînement en bas. Ça pourrait m'être utile.